dehors, on est dans le rang central, vous avez 6 zones matérialisées par des plots de couleurs. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Okay. Vous allez vous mettre par groupe de 2. D'accord? Dans chaque zone, vous avez une question. D'accord? Traitant sur la discrimination, le racisme, etc. D'accord? Pour aller à ces zones, d'accord? Par exemple, si je pars du rond central, je vais aller à la zone orange là-bas. Peu importe la zone, vous faites des gammes à clés, d'accord? Levé de genoux, talons aux fesses, pas chassé, mouvement de bras. Vous faites ce que vous voulez. L'objectif, c'est que vous échauffiez en vous déplaçant dans les zones. D'accord? Par deux. Vous allez dans la zone là-bas. En bas à droite de la feuille, vous avez un numéro. D'accord? Qui correspond au numéro de la question. Ok? Après, vous avez une question. Soit il y a des propositions, soit c'est une réponse libre. D'accord? Vous lisez la question, vous réfléchissez. Vous revenez en trottinant, vous me donnez la réponse. D'accord? Si elle est juste, vous passez à l'atelier d'après. Si elle est fausse, vous faites un tour de pénalité. Le tour de pénalité, c'est l'exo, c'est les 4 exos qui sont autour de la salle. Les gars, c'est juste pour vous faire comprendre que un simple mot déplacé, peu importe ce qu'il est, sur l'origine de quelqu'un, sur son sexe, sur son orientation sexuelle,